Bienvenue à Lannion, dans le nord de la Bretagne. C'est ici qu'une grande famille se prépare, loin de la pluie et du ciel gris, pour des vacances au long cours. Antoine, Anatole, Emilien, venez aider pour ranger. Qu'ils soient enthousiastes ou pas, des plus grands aux plus petits, Nadine et Philippe, 44 ans tous les deux, vont emmener leurs 7 enfants à l'aventure. Alors tu prends 3 pulls. 1, 2, 3. Le départ est prévu le lendemain, avec le strict minimum. Chaque enfant a la même courte liste de vêtements à préparer. Nadine préfère voyager léger. Tu prends des chaussettes et 7 culottes. On a déjà une valise à chacun, donc ça en fait déjà 9. Donc 9 valises, ça prend énormément de place. Donc c'est des petites valises qu'on va prendre. Nadine, mère au foyer, est une fille de militaire. Elle ne perd pas une occasion de transmettre aux petits le sens de l'organisation. Va prendre dans ton armoire. Ça permet qu'ils deviennent autonomes aussi. Comme ça, ce seront de futurs hommes qui se sauront plier leur linge. On va vérifier le sac. Combien maman elle avait dit de mettre? 3. 3. Et là, t'en as 2. Et 3. Et 3. Très bien, bravo. Mission accomplie pour les petits. Mais avec les ados accros aux jeux vidéo, les préparatifs s'annoncent plus compliqués. Tiens, prends la fille. Prends ton... C'est un casse-tête pour les décoller de leur manette. Bah, j'y vais. Antoine, viens prendre ton sac pour faire ta valise. Non, il est ici. Ça se tient. Pareil que ton frère. Ouais. 2 pantalons, 3 pulls, slip, chaussettes. Okay. Et les shorts, c'est moi qui les ai. Il traîne un peu la patte parce que, bon, ça l'enquiquine de faire sa valise, quoi. C'est sa tronche de tous les jours. Tu es un ado. Toi, tu prends une valise, un sac. Autour de Nadine et Philippe, c'est une grande famille recomposée. En couple depuis 6 ans, ils ont eu ensemble les 3 petits derniers. Siméon, 1 an. Angèle, 2 ans. Et un autre garçon de 5 ans au prénom plutôt rare, Adrien Gaspard. Nadine avait déjà 6 enfants d'une première union. Notamment Basile, 8 ans, Emilien, 10 ans, Anatole, 14 ans et Antoine, 15 ans. Pendant un mois, cette grande famille va s'offrir des vacances très originales à bord de ce minibus. Un road trip à travers 8 pays d'Europe, 6000 km pour rejoindre les bords de la mer Noire en Roumanie. Une destination lointaine qui fait rêver Philippe, le père. Depuis un an, il économise pour ce voyage. Histoire d'ajouter de nouveaux pays à sa collection d'autocollants qu'il affiche fièrement à l'arrière de son minibus. J'espère la Hongrie, la Roumanie en plus, la Slovénie, peut-être la Croatie. Comme j'habitais sur Paris, j'ai vendu un appartement et avec la vente de cet appartement, on a pu acheter ce minibus. Et c'est grâce à ça qu'on a pu partir. On l'a acheté en 2008, on est parti la première fois en l'été 2008. Des vacances lointaines, un sacrifice pour Philippe. Mais ce sont probablement les dernières qu'il passe avec les plus grands. Des ados qui partiront bientôt de leur côté. Après des années passées ensemble, ce dernier été est empreint de beaucoup de nostalgie. Les vacances, c'est le seul moment où on peut partager du temps avec eux, être 24 heures sur 24 avec eux, jouer avec eux, leur montrer des choses qu'ils ne verront peut-être plus jamais. Et... voilà, c'est... pardon. Bah, le fait d'avoir réussi à partager des choses, même si eux ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont trop jeunes hein, pour l'instant, et j'espère que quand ils seront mon âge, bah, ils partiront, ils feront plus de voyages que moi, j'espère qu'ils feront plus de choses... peut-être plus intéressantes que moi et qui partiront encore plus loin que moi. Et... seulement, Nadine et Philippe vont tenter de faire rêver leurs enfants avec un budget très limité. Pas plus de 2000 euros pour payer le camping, les repas et quelques sorties. 2000 euros
pour un mois d'aventure. Le lendemain matin, 8h, parents et enfants préparent le grand départ. Parce que je remplis la voiture pour partir en vacances. J'ai travaillé toute l'année pour ça. Moi aussi. Toi aussi, t'as travaillé toute l'année? Oui. T'as bien travaillé à l'école, alors? Ben oui. Ah, super. Matériel de camping, jouets, vêtements et surtout, provisions pour toute la première semaine. Car les baroudeurs devront dépenser le moins possible sur place. Encore faut-il réussir à tout faire rentrer. Voilà. Instant de vérité. Voilà, on a réussi, l'objectif est atteint. Le temps de faire monter les 7 enfants dans le minibus. Tu enlèves ton manteau, Adrien Gaspard. Et la famille peut s'élancer. Correctement la voiture. Attention, je ferme les portes. Le début d'un long voyage sur les routes d'Europe, la Bretagne va rapidement s'éloigner. C'est parti. Ça y est, on est parti. Voyage plus vieux, voyage heureux. Ça y est, on a quitté l'avion, les enfants. Attendez au compteur, 3179 km qui vous attendent. Encore? Bah encore, oui. Et malgré leurs 7 jeunes enfants, ces milliers de kilomètres vont se faire dans la plus totale improvisation. On n'a rien réservé, on sait à peu près où on va, mais... on va passer. Pas précisément, quand même. Mais voilà, c'est l'aventure. Une aventure au budget serré. Et à peine parti, il faut déjà sortir le porte-monnaie. Pour ce qui devrait représenter 30% de leurs dépenses. Là, on va s'arrêter, faire de l'essence pour la voiture. Voilà. Donc ah là, oui. On fait un gros plein, là. Bah oui. Philippe, qui est ouvrier métallurgiste, a un petit salaire. Alors forcément, tout est compté. Et ça commence mal. Pour le plein de carburant, c'est déjà 80€ en moins. Ça fait une journée de travail, 2 parties. Mais coûte que coûte, Philippe et Nadine tiennent à emmener les enfants en voyage. Ni l'un ni l'autre ne partaient en vacances quand ils étaient petits. Alors aujourd'hui, ils sont fiers de pouvoir offrir à leur tribu une telle expédition. C'est un cadeau parce que il n'y a que mon mari qui travaille, on n'a pas des finances assez aisées, quoi. C'est un luxe peut-être pour eux. C'est de pouvoir dire qu'ils sont partis en vacances, surtout à l'étranger, dans des pays assez lointains. Les ados ont réussi à glisser quelques jeux vidéo dans leur sac à dos. Et chacun finit par trouver une occupation. Au fil des kilomètres, le minibus se transforme en dortoir. Malgré la sieste, après 10 heures de route, les troupes sont exténuées. Les Bretons ont atteint la Belgique. Les jambes. Ils n'ont ni l'envie ni la force de chercher un camping. Alors la première nuit se passera sur cette aire d'autoroute, dans le minibus. Enlève tes chaussures. Ah, je sais. C'est un peu dur quand on s'arrête parce que quand ils ont l'habitude de dormir quand on roule. Mais une fois qu'on s'arrête, ah, oh, on a arrêté, oh, ils veulent plus dormir. Dodo. Voilà. Tiens. Bonne nuit. Chut. C'est Dodo maintenant. Pour les 9 membres de la tribu, maintenant ça y est. L'aventure a vraiment commencé. La nuit a été courte et inconfortable. Le lendemain, tout le monde a bien du mal à se remettre en route. Physiquement, je suis lessivé. Je suis... quand même fatigué. Et tant qu'on arrive, parce que... 24 heures après avoir quitté la Bretagne, 1500 km plus loin, les voyageurs arrivent en Allemagne.
en Bavière, où ils vont pour la première fois déplier leur tente. Tu veux venir avec nous ? Non. T'as les yeux complètement explosés. Explosés, j'ai fait. Et la voiture est explosée aussi. Allez, viens, mon cœur. Allez, tu viens ici. Après tant de kilomètres et aussi peu de sommeil, effectivement, les deux parents sont épuisés. Les sept enfants déchaînés, et il y a trois tentes à monter. Siméon, arrête. Siméon non plus. On passe pas. Tu recules pas un peu plus ? Attends, mais pour l'instant, j'essaie de fixer, mais avec les enfants qui se passent dessus, ça ne va pas le faire non plus. Petit à petit, le terrain de camping se transforme en champ de bataille. Si tu étais insupportable, qu'est-ce qu'on faisait ? Hop, t'es dans la voiture. Allez, non, non, non. Il veut boire. Tu boiras quand tu seras calme. Normalement, je vais vite. Et aujourd'hui, non. Il y a un peu de vent, il y a les enfants dessus. Là, il est très fatigué. Il commence à être irritable, en plus. Donc, il est temps que ça se termine. Pour accélérer l'installation, petits et grands sont mis à contribution. De gré ou de force. Bah, on monte les tentes, on démonte les tentes, on remonte les tentes. Pour moi, c'est une corvée car on travaille beaucoup plus que chez nous. Mais les ados ne perdent pas le nord et gardent le sens des priorités. Vous avez tous vous duvet, les garçons ? Non, c'est oui, non, tout de suite. Non. Bah, prenez-les alors. Donc, on peut voir qu'ils ont déjà branché leur console de portable. C'est ce qui est plus important qu'un duvet. Ah non, parce que c'était dans mon pantalon. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Pour apaiser les esprits, Nadine va utiliser son arme fatale. On va leur donner à manger. Vous avez beaucoup faim, vous ? Ouais, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des compotes, du pain de mie, un pique-nique. Un pique-nique simple, efficace et rapide. Ce sera un dîner petit-déjeuner. Quelqu'un veut un chocolat au lait ou un truc comme ça ? Mais ça ne suffit pas à calmer les troupes. Et Philippe, après avoir roulé 1500 km, dormi 4 heures, monté 3 tentes et réglé 2 disputes, commence légèrement à craquer. Mignon, tu restes correctement ? Assis, oui ou non ? Anatole, pour la dernière fois, si tu veux un chocolat au lait, tu te lèves, tu te prends le chocolat, tu prends le lait. Alors, tu arrêtes, rien, n'est-ce pas ? Je commence à avoir ma claque. Tu comprends ? Après cette première journée épique de camping en famille, c'est finalement Philippe, le premier endormi. Il faut reprendre des forces dès demain. La tribu repart à l'aventure dans son minibus en route vers la mer Noire. Il leur reste plus de 2000 km à parcourir. Des voyages au long cours dont rêvent beaucoup de familles nombreuses. Certaines économisent pour s'offrir l'aventure. D'autres familles plus à l'aise financièrement ne s'offrent pas pour autant des vacances grand luxe. Bien au contraire. Super bien garé. Des familles comme celle de Natacha. Cette maman de 38 ans, accompagnée de sa fille Zoé, vient chercher ses trois autres enfants à la sortie de l'école. Avant de partir pour 2 semaines de vacances, plutôt surprenante. Mon petit cute ! Ça a été mon petit amour. Allez, on y va. Merci. Attention. Hop. Alors on va aller chercher Maya et Lily. Après, la trousse sera complète. Bonjour, ma princesse. Allez, en route. Nous sommes en Belgique, dans un petit village aux alentours de Bruxelles. C'est là que Natacha et son mari possèdent cette magnifique ferme rénovée de 300 mètres carrés. Elle dirige l'exploitation agricole familiale. Philippe, qui est encore au travail, est consultant immobilier. Ensemble, ils ont donc 4 enfants. Combien d'images ? L'aîné Zoé, 13 ans, est en 4e. Suivie de Maya, 10 ans, et Lily, 7 ans, toutes les deux en primaire. Et le petit dernier, Tom, 5 ans. H-I-J-K-L-M-N-O-P. Ce soir, c'est le début des vacances de Noël.
Mais cette année, pas de cadeau sous le sapin. Dans sa hotte, le Père Noël leur apporte un seul et unique présent. Un grand voyage loin des sentiers battus. Philippe, le papa hollandais de 49 ans, rentre du travail avec un précieux sésame. Le passeport qui va permettre à cette grande famille de s'envoler pour cette destination, à 6000 km de chez eux, le Bénin, l'un des plus petits pays d'Afrique. C'est le visa. Le gars, il était en train de le signer quand je suis arrivé. Des vacances qui coûtent cher. Presque 2000 euros par personne pour le vol et le séjour sur place, soit 12000 euros en tout. Une fortune, mais pas pour se prélasser dans un club vacances 5 étoiles avec piscine. La famille est attendue en Afrique pour une aventure humaine hors du commun, 2 semaines au service d'un orphelinat. Le décollage est prévu le lendemain matin. Natacha et ses enfants règlent les derniers préparatifs. On va l'attacher en Tommy Boy. Zoé, Maya, Lily et Tom ont organisé une collecte de livres et de jouets dans leur école. Un cadeau de Noël qu'ils réservent aux 50 petits orphelins avec qui ils vont passer leurs vacances. Dans leur valise, beaucoup de vêtements aussi qu'ils ne portent plus. C'est nous qui vont les donner. Qui vont les donner. On va les donner à qui? À ceux du Bénin. À ceux du Bénin. Ça va être chouette de voir les petits enfants avec tes vêtements. Natacha, qui a fait appel à une agence de tourisme solidaire, a choisi volontairement le Bénin, car ce petit pays francophone est l'un des plus pauvres du monde. Cette maman espère y faire découvrir une autre réalité à ses enfants. Issue elle-même d'une famille très modeste, Natacha n'a pas toujours vécu dans un tel confort. Loin de là. Nous, quand on était petits, financièrement, c'était pas toujours évident. Donc, quand on est arrivé en Belgique, parce qu'on est reparti du Portugal, on n'avait pas nous-mêmes beaucoup d'affaires. Et donc, on a bénéficié des récoltes qui sont faites à l'école pour nous. Dans le côté inverse, c'est vrai qu'à mon avis, ça m'a touchée aussi de me dire, bon, ben, on a fait ça pour moi, maintenant que j'ai les moyens, je peux le faire pour les autres. Les enfants l'ont bien compris. Ces vacances risquent de bouleverser leurs habitudes. Il va falloir se rendre utile. Allez, on continue. Les autres. C'est important que les enfants voient aussi, pas toujours des hôtels de luxe, mais comment ça se passe ailleurs. On aide les enfants qui n'ont pas beaucoup de chance, parce que nous, on a beaucoup de chance quand même, alors on peut donner un peu de notre chance à leur chance. Comme ça, ils ont un petit peu de chance, quoi. Alors, à quelques heures du grand départ, les filles sont prêtes à tout pour faire entrer dans leur valise un maximum d'affaires. Aéroport de Bruxelles. Natacha, Philippe et leurs 4 enfants débarquent avec leurs 12 valises pleines à craquer. S'il vous plaît. Surtout les bagages en main, merci. Qu'est-ce que tous les sacoches? Une autre pièce, s'il vous plaît. La tribu va mettre plus de 20 minutes pour enregistrer ses 300 kilos de bagages. Pour eux, le strict minimum, mais 260 kilos pour les petits orphelins. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, la grisaille. La famille décolle enfin pour des vacances qui vont lui réserver de grandes émotions. À 7 heures de vol, le Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, entre le Nigeria et le Togo. Bienvenue à Cotonou, la capitale économique du Bénin. À la sortie de l'aéroport, un représentant de l'agence de tourisme attend la famille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va ? Natacha, Philippe et leurs enfants découvrent l'Afrique et sa chaleur étouffante. La nuit est tombée, pourtant il fait encore 29 degrés. Chouchou, il fait super chaud mon cœur, alors... Tom, le petit de 5 ans, est épuisé par le voyage et la moiteur. T'as mourant de soif, mon cœur. T'as mourant de chaud, mourant de soif. Tiens. Chouchou, on se dépêche, il y en aura à boire à l'hôtel, mon cœur. Tiens, Tom. Tom, allez, arrête de pleurnicher, mon cœur.
plein de place. Une seule chose console Tom pour l'instant. La montre que ses parents lui ont achetée à l'aéroport. Leur première nuit, ils vont la passer dans un hôtel de la capitale avant de partir le lendemain matin pour l'orphelinat. Après une nuit de repos, nous retrouvons la famille qui découvre enfin ce pays où elle va passer ses 2 semaines de vacances solidaires. Pourtant, dans le minibus, Tom a encore un peu de mal à lâcher sa nouvelle montre des yeux. Dis Tom, regarde pas la fenêtre, Chipou. Regarde comme c'est joli au lieu de regarder ta montre. Je voudrais qu'il regarde un peu, qu'il profite. Tom, regarde la mer. Là-bas, c'est la mer. Tom, je t'arrache cette montre. En face de nous, c'est la mer. Ouais, regarde là-bas. Car sous leurs yeux, le Bénin se révèle en plein jour. Un petit pays magnifique où les rivages de l'océan Atlantique voisinent avec les grandes lagunes. Ici, les 9 millions d'habitants vivent essentiellement d'agriculture et de l'activité portuaire de la capitale Cotonou. Voilà pour la carte postale. Et puis, il y a l'autre visage, celui de la misère. Le Bénin reste le 8e pays le plus pauvre du monde. Dans ses rues, le taux de natalité explose et la mortalité des enfants bat des records. Selon les derniers chiffres, on ne compte que 4 médecins pour 100 000 habitants. Bien loin de son quotidien, Zoé, 13 ans, en prend plein les yeux. C'est trop beau, enfin, je sais pas, j'imaginais pas ça du tout comme ça, quoi. Enfin, j'imaginais ça un peu... Enfin, ça, c'est comme dans les films, quoi, c'est comme dans Kirikou. L'orphelinat se trouve à Ouida, une ville de 60 000 habitants, connu pour être l'un des principaux lieux d'embarquement des esclaves vers les États-Unis. Allez, Zou ! Natacha, Philippe et les enfants vont y passer tout leur séjour avec une autre famille logée au rez-de-chaussée de cette maison. Bonjour, Samson, le gardien de la villa. Tom, tu dis bonjour ? Non, ouais, non mais, Aouda, Samson, le gardien de la villa. Oh, entrez chez vous. Wow. Ça, c'est votre chambre. La chambre des enfants. Oui, il y a la clim. C'est pas la clim, ça, c'est... Non, on n'a pas la clim, on a le ventilo. Le ventilateur. On a 2 ventilos. De l'autre côté, c'est la douche. Est-ce que ça coule? Ça coule. Eau froide. Hein? Une bonne petite douche fraîche. En Belgique, leur maison fait 300 mètres carrés, avec chacun sa chambre et sa baignoire. C'est la première fois que les enfants vivront dans 50 mètres carrés, se laveront à l'eau froide et dormiront tous ensemble. Là. C'est trop tard, c'est moi. On dort là, moi. Ça va bien, les filles? Ah, d'accord. Allez, monsieur. Yeah. La gueule des doudous au boulot. La famille est venue au Bénin pour se rendre utile. Alors, pas une minute à perdre. Natacha et les enfants passeront leur journée à l'orphelinat. Philippe, lui, travaillera ici. Il va donner des cours d'informatique pour adultes. Philippe se sert d'un ordinateur tous les jours au travail. Mais ce n'est pas un expert. Il a peur de ne pas être à la hauteur et ses filles ne le rassurent pas. Dis-leur que t'es nul avant de commencer parce que sinon ils vont s'attendre à beaucoup de choses et ils vont rien avoir. Mais il n'est pas nul, oh, il est très bon, on a pas mal. Et attends, j'étais toujours dépanné. Ouais. Et c'est la dépression. Je vous présente M. Philippe. Je vous avais dit qu'il était là avec toute sa famille. Philippe est déjà bien dans l'ambiance. C'est maintenant à Natacha et aux enfants de se lancer. Ils vont découvrir l'orphelinat dans lequel ils vont passer les 2 prochaines semaines. Un centre d'accueil qui abrite une 50aine d'enfants. Des filles et des garçons, âgés de 2 à 14 ans. La plupart ont perdu père et mère, notamment à cause du sida qui fait encore des ravages au Bénin. L'orphelinat ne bénéficie d'aucune aide de l'État. Delphin, le coordinateur de l'agence qui a organisé ce voyage solidaire, fait les présentations. Allô les enfants,
Vous voulez le connaître? Oui, Tom. Il s'appelle Tom. 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 Le Tom. 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 Maya. 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 Et Natacha. Maintenant, ça va aller dans l'autre sens. Vous allez vous présenter. Je m'appelle Josué, je suis au CE1, j'ai 6 ans. Je m'appelle Océane, je suis au CE2, j'ai 8 ans. Vas-y, Les petits orphelins ont décidé d'accueillir ces nouveaux visiteurs en chanson. Natacha, Maya et Zoé se mettent rapidement dans l'ambiance. Les plus petits, eux, semblent un peu déboussolés. À l'autre bout du monde, la famille s'apprête à vivre une veillée de Noël qui n'aura rien à voir avec les précédentes. Mais les 6 membres de la tribu vont-ils tous apprécier ces vacances qui sortent franchement de l'ordinaire ? Organiser des vacances pour les ménages de plus de 3 enfants, une famille sur 5 en France, c'est souvent l'aventure. Et il y en a pour qui cela paraît carrément impossible. Des familles qui, dans notre pays, le plus fécond d'Europe, battent tous les records. À table ! Ah, ça y est, tu vois, mon cri perçant, on les a appelés. Je crois que je vais mettre une cloche. À Pessac, près de Bordeaux, à table, tu vois les petits... Karine, 50 ans, mère au foyer, sonne l'heure du repas. Alors, aujourd'hui, commençant ma vacance, j'ai fait un plat spécial. Des frites et du poulet, comme d'habitude. Karine ne se départit jamais de sa bonne humeur. Pourtant, des responsabilités et des soucis, elle en a tous les jours. Avec son mari, Patrice, 52 ans, fonctionnaire en mairie, ils sont à la tête d'une tribu XXL de 13 enfants. Karine, qui a grandi avec 4 sœurs, a toujours voulu recréer une grande famille. En tout, elle a été enceinte 10 ans de sa vie. On avait décidé 5. On avait décidé 5, oui. 5. Et après, j'ai trouvé que c'était tellement beau, que j'étais tellement bien, et qu'après, il y en avait un de plus qui arrivait. Et puis, comme monsieur disait rien, que là, on n'a pas l'impression qu'on vieillit hein, avec tous les petits, les c'est enfants. C'est pour ça que j'ai voulu ça autant d'enfants. C'est pour rester jeune longtemps. Le lendemain, pour la première fois depuis très longtemps, le couple va s'accorder un luxe. Partir une semaine en vacances avec leurs 13 enfants. William, 28 ans. Marie, 26 ans. Julie, 25. Guillaume, 23. Émilie, 19. Sophie, 17. Victor et Arthur, 15 et 14 ans, Paul, 13 ans, Théo, 10 ans, Chloé, 6 ans, Clara, 5 ans. Sans oublier la nouvelle génération, car ils sont aussi grands-parents avec leur petite fille de 2 ans, Louane. Mais pour faire le compte, il en manque toujours un, toujours le même. L'éternel rebelle, Arnaud, 8 ans. Faute de budget, cela faisait 5 ans que personne n'était parti en vacances. Pour la première fois cet été, Karine a réuni toute la tribu pour l'emmener à la mer. Ça fait plaisir qu'on part tous ensemble. C'est la première année que ça nous arrive. Là, on est vraiment les 13. Les petits diamants manquent toujours. Hein. Vous avez pris vos bouées? Oui. Ah, et on va faire des châteaux de sable. Le lendemain, ils partent donc une semaine à la plage, à Montpellier. Mais Karine n'a qu'une hantise, perdre de vue l'un de ses 13 enfants. Alors elle cherche des astuces pour reconnaître sa tribu de loin. Ce sera le même maillot pour tout le monde. 1, 2, 3. Et pour les vêtements, voilà son secret. J'ai acheté des t-shirts roses, enfin des polos roses comme ça. Là, de suite, tu... Si c'est rose, pas comme tout le monde, mais tu les vois, ou jaune et fluo. C'est vrai que, bon, des fois, ça fait un peu ridicule quand tu mets du jaune poussin, tu vois.
Mais je suis, ils sont toujours dans mon regard. T'es obligé, tu hop, tu les vois. Cela fait bien longtemps que Karine attendait ses vacances. Jusqu'ici, avec le seul salaire de fonctionnaire de Patrice, 2000 euros par mois, la famille n'avait pas les moyens. J'espère que ça va passer. Mais oui, ça va passer. Cette année, ils ont enfin réussi à économiser 1200 euros. Pas de quoi partir à l'hôtel à l'autre bout du monde. La Bordelaise va embarquer sa tribu chez sa sœur, Sandra. Et la famille va camper dans le jardin. Il faudra dépenser le moins possible sur place. Alors Karine a fait des réserves pour tout. Alors j'ai acheté les tentes, les matelas, j'ai acheté les trucs à pêche, j'ai acheté des rôtis de porc, des rôtis de bœuf, j'ai acheté des saucisses et j'ai fait quelques courses. Bon, ça va nous faire au moins 2 jours, c'est tout. Hein. Là, j'ai déjà dépensé 400 euros à peu près. Et là, ça fait qu'on part avec 800 euros quand même. Ça sera très, très serré, mais ça passe. Normalement, ça passe. On a bien calculé, ça passe. OK. C'est bon, allez, hop. Tout va bien. Allez, hop, on ferme. Et voilà. Allez, viens, Mimi. Toute la question est de savoir si Karine et Patrice vont pouvoir profiter, eux aussi, de ces vacances bien méritées. Arnaud ! Car parmi les 13 enfants, il y en a un qui ne tient jamais en place. Et ce séjour à la mer risque de le déchaîner encore plus. Arnaud, c'est le feu follet dans la maison. C'est un enfant qui est très actif. Un peu trop pour moi, je trouve. Alors, comme pour tout ce qui concerne la famille, Patrice laisse Karine gérer la situation. Allez, Arnaud, dépêche. Allez, Arnaud, dépêche. Quand il veut, il peut être super mignon, super agréable. Et quand il veut pas, eh bien, il fait pas comme là. Et voilà, il est super turbulent. Hein, Arnaud ? Non. Et si ? Non. Tout l'intéresse, tout l'intéresse. Alors, des fois, je me demande s'il n'est pas surdoué. Il est 20h, l'heure du coucher. Avant le grand départ, Karine y va de sa petite recommandation avec chacun. J'espère que vous allez bien vous tenir chez Sandra, parce qu'elle a la gentillesse de nous inviter. Hein ? On ne fait pas les bêtises. OK. Bon, allez, à demain. Alors, forcément, l'extinction des feux prend un certain temps. Oui, alors tu vas être sage pendant les vacances, hein ? Tu vas être mignon, tu vas pas me faire crier à Arnaud toute la semaine. Mmh. Sinon, moi, je vais être encore plus épuisée. Allez, la poupette. Allez, bonne nuit, maman. Dors bien. Malgré 15 passagers, Karine veut que le voyage se passe dans le calme. La famille partira à l'aube pour que les enfants terminent leur nuit dans la voiture. Je me réveille à 4h30, OK ? Et départ à 5. Allez, bonne nuit. Mouah. Quelques heures plus tard, le jour n'est pas encore levé, mais c'est l'effervescence. Toute la famille est bien réveillée. Arnaud, tiens, attrape alors. Si tu veux m'aider, vous voulez. Mets-le à la glacière. C'est long. Allez, montez. Allez, vous installez. Hein? Je suis Clara, Louloute, Paul, Arthur et Vic. C'est bon. Les petits voyageront dans le minibus. C'est l'heure. 5h30, Karine. Allez. C'est bon. Allez, bye. Ça sent. Les plus âgés ont leur propre voiture. Arnaud voyagera avec eux, avec une place à part, rien que pour lui, où il ne pourra embêter personne. Et là, tu peux poser ta tête. Voilà. Là aussi. Tu peux t'attacher, c'est bon. Ton front, t'es bien. Vas-y. OK. Allez. Et roulez doucement, hein. Vous allez vous suivre ? Oui, on va se suivre, tout doucement. Youpi, on y va. Enfin. Le convoi en a pour plus de 5 heures de route. Et les vacances commencent à peine que Karine doit déjà surveiller les comptes. Merci, monsieur. Alors, combien on a dépensé là ? Ça fait 37 et là, on a fait 100 euros de gasoil. Plus les courses qu'on a fait. Ça fait rien. On les a mérités, nos vacances. On mangera des patates après. Ah ouais. Il n'est pas d'accord. Après 5 heures de route, la tribu bordelaise arrive enfin à Montpellier.
Le couple et ses 13 enfants s'apprêtent à envahir la maison de la plus jeune sœur de Karine, Sandra. Elle n'a pas vu ses neveux et nièces depuis 2 ans. Pourquoi t'es tout bronzé? Regarde, fais voir ta couleur. Oh non, regarde, ça va. Voilà. Voilà Loulou. Oh Loulou. Elle a commencé à avoir marre. Bonjour, là. Ça va? Voici Tata, faut dire. Bonjour Tata. Oui. Victor? Théo. Théo. Dis Victor, tu fais t'as fait la bise. Bonjour mon grand. Ça va mon grand? Ouais. Ouais. La famille découvre la maison qu'elle va transformer en colonie de vacances. Les ados planteront leur tente dans le jardin. Il y a seulement 4 chambres à l'intérieur. Sandra, qui n'a que 3 enfants, n'en revient pas d'avoir une telle foule chez elle. On est envahis, ça c'est sûr. Mais non, ça, c'est ma sœur, c'est ma nièce. Qu'est-ce qu'ils veulent, toi? Super leur faire plaisir. En plus, ça fait très longtemps qu'ils attendaient de revenir sur Montpellier. Je pense que voilà, on a planifié plein de choses. Dans la maison, il n'y a plus 1 mètre carré de libre. Les 2 familles réunies forment une troupe de 22 personnes, dont 15 enfants. Il va falloir rapidement que Karine et sa sœur trouvent leur marque, car avec une telle famille, il faut sans cesse courir à droite et à gauche. Et le soir même, dès le premier dîner, le ton est donné. Joe, Sophie, Victor, Arthur, Paul, Théo, Arnaud. Je pense qu'il n'y aura pas de reste ce soir. Ils sont affamés. Ouais, j'ai faim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le soir venu, les parents ont réussi à rassembler tout le monde autour de la table. Mais l'un des enfants fait sa première crise. Arnaud. Tu viens? Allez, viens manger à côté de moi, tu ne seras pas à côté de lui. Viens manger, tu ne vas pas aller au lit sans manger. Sinon après, tu vas te lever toute la nuit, tu auras faim. Karine a beau avoir 13 enfants, pas question de passer à côté des petits tracas des uns et des autres. Je crois que son frère lui a donné une baffe. Enfin, je crois, j'ai pas vu, je sais pas si c'est la scène. Mais je crois qu'il lui a fait mal quand même, voilà. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, il va revenir. Bon appétit. Merci, on dit. Pas facile de jouer les arbitres entre 13 enfants. Pas facile non plus de les mettre tous au lit un premier soir de vacances. Karine commence à fatiguer. Et il y a 3 tentes à monter. Depuis 4 heures qu'on est debout. Je sais pas quelle heure il est, mais bon. Quelle heure il est? Et maintenant, un peu de courage pour gonfler vos matelas. Mais la tribu n'a jamais fait de camping, et ça se voit. Si, regarde. En largeur, les matelas rentrent, mais en longueur, plus du tout. Il est prévu du camping. Tu vois, ils font 2,30. Et les matelas, je te dis, oui, c'était vendu avec. Et... je me suis trompée, j'ai acheté des tentes et des matelas qui ne correspondent pas. Alors, quand on n'a jamais fait de camping, et bien voilà, ça fait à voir. Mais pas de quoi préoccuper Patrice. Le papa, Pacha. Ne rajoute pas, hein. Je ne mets pas d'huile sur le feu. Ils vont de toute façon se coucher. Tout va bien. Zen. C'est les vacances. Heureusement, Sandra a une grande tente de secours. Tout le monde dormira à l'abri ce soir. Patrice n'a plus qu'à jouer l'inspecteur des travaux finis. Je pense qu'elles ont bien bossé, les filles, quand même. Qui? Je suis content, ouais. Mes femmes. Ouais, oui, mon ami Pincha, moi, je donne. Non, non, ici. Non, ici, ah, ça m'a donné faim et soif, toutes ces petites histoires, ces péripéties. T'as rien fait. Tiens, on pourrait... Tiens, mon chat. Songer à faire des enfants, non? Pas là-dessus, en tout cas. Ouais. On va être pliés dedans. Oh. Non, je vais te rien te chercher. Ah. Bon, s'il y a quoi que ce soit, m'appeler. J'ai mon portable sous l'oreiller. Non, le pauvre Mimi. Bonne nuit. Entre les repas, les sorties, les caprices des uns et l'inertie des autres, pas sûr que pour Karine, la semaine qui vienne soit vraiment des vacances. Du dépaysement et un peu de repos quand même. C'est ce dont rêvaient aussi Philippe et Nadine, notre couple de Bretagne parti en minibus avec leurs 7 enfants sur les routes de la mer Noire.
Ce matin-là, la tribu lève le camp après une nuit passée dans ce camping en Allemagne. Dans la voiture, deux fois. Tant bien que mal, Nadine tente de rassembler les troupes. Dépêche-toi. Les enfants, enfin prêts à partir, reste un petit cérémonial. La pose de l'autocollant souvenir à l'arrière du minibus. Ouais. Oh, super. Au revoir l'Allemagne. Ouais, en dessous, le camping de... Le couple prend maintenant la direction de Vienne, la capitale de l'Autriche. Comme d'habitude, Nadine et Philippe improvisent le trajet au jour le jour. Mais ce matin-là, la mère de famille réalise vite que la voiture ne va pas pouvoir aller bien loin. Ouais. Ce que j'ai peur, c'est qu'on se retrouve en rade, parce qu'il y a très peu d'essence. Bon, et comme on a un problème de jauge, l'aiguille monte et descend un peu comme elle veut, donc on ne sait pas exactement où on en est. Et ça serait bien qu'on trouve une station assez rapidement. Tournez à gauche sur la D471. Mais aucune station-service en vue. Pas question de tomber en panne avec 7 enfants à l'arrière. Nadine commence sérieusement à s'inquiéter. Je suis un peu stressée parce que je vois que la lumière de la réserve, ouais, s'est allumée. Donc on a une petite réserve, mais bon. Il y a un garage. Il y a un garage, oui. Il y a un garage, ils vendent des voitures. Donc s'il y a un garage, il y a une station essence. Ah, très bien. Bien. Ouf! Je vais rigoler maintenant. Pourquoi? Parce que j'étais comme ça. Alors, diesel, c'est où? Mais à quel prix maintenant? 1,44. En Autriche, les prix sont encore plus chers qu'en France. Alors, la famille va tenter d'économiser. Alors, attends, on réfléchit deux secondes. Parce que on est ici. Cette halte imprévue ne doit pas faire exploser le budget. Ah oui. Philippe et Nadine vont juste mettre suffisamment de carburant pour rouler jusqu'à la prochaine étape, la frontière hongroise. Ça sert à rien de dépenser beaucoup de sous sur, en essence sur l'Autriche, en sachant que les prix en Hongrie sont quand même relativement moins chers. Bon, on économisera peut-être, 15 euros. Philippe et Nadine ont prévu 2000 euros tout compris pour leur mois de vacances. Manque de chance, pour calmer les petits, Nadine leur avait promis une glace au prochain arrêt. Et les friandises aussi sont plus chères ici. Allez, vas-y, dépêche-toi. Toi, tu veux ça. Et quand l'un des enfants a droit à une glace, forcément, les 6 autres aussi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. En tout, ce goûter improvisé revient à 14 euros. Une sortie de route que la famille ne pouvait pas vraiment se permettre. C'était pas prévu, des glaces, aujourd'hui. Donc c'est les glaces de demain que vous mangez aujourd'hui. Hein. Ok. Voilà. Oh. Alors, pas question de gaspiller. Elle est bonne, la glace? Ouais. Ah, voilà. Attends, je sauve la glace, hein, d'abord. Où est mon cœur? On avait prévu de faire Vienne demain et puis en bus touristique. Je pense qu'on va réfléchir à deux fois parce que c'était pas compté, les glaces n'étaient pas comptées dedans, ni le pain de ce matin qui était quand même assez cher. Du coup, on va vraiment réfléchir si on va le faire demain ou s'il y a d'autres solutions moins onéreuses. Pas besoin de bus touristique, les Bretons peuvent déjà commencer à profiter gratuitement du paysage autrichien. Ouf, ah là, ouais. Ah là, on a un spectacle magnifique. C'est ça. Avec les montagnes. C'est. Ouais, c'est impressionnant là. Là, ça nous change de notre montagne bretonne. Ça n'a rien à voir. C'est brutal. Depuis le départ, la famille a parcouru plus de 2000 km. Nadine et Philippe ont envie de faire une pause et de profiter de l'Autriche. Ils comptent s'installer plusieurs jours dans un camping en forêt
aux alentours de Vienne. Mais la famille va très vite déchanter. On trouve une place et puis on s'installe. Ouais. L'entrée est où ? Les gars, les enfants ! N'importe où, hein. Bah, prends l'entrée, les chapelettes. Ouais, ce camping fonctionne en libre service. La tribu pourra s'y installer si elle trouve une place pour ses trois tentes. Mais les parents ont un peu de mal à se concentrer. Où tu vas mettre la voiture ? Bah, je sais pas. Faut qu'ils arrêtent aussi parce que là, ça va. Attends. Ils sont énervés comme toi. Chut! Faut que tu arrêtes parce que là j'entends. Chut! Papa il fait un demi-tour. C'est mignon. Bah, le problème c'est qu'il y a de la place, mais c'est, apparemment c'est surtout des places pour camping-car. Parce que c'est super par large. C'est pas adapté pour les tentes du tout. Alors on se demande si on s'est pas trompé. Tiens, gros pitbull. Ah, le petit poids. Plus de place pour une si grande famille. Le camping va bientôt fermer. Et tout le monde est en train de craquer. En urgence et sous tension, les parents vont partir à la recherche d'un second camping à l'autre bout de la ville. B-R-E-I-I. Oui, mais j'entends rien. T. E. N. F. Voilà. Oui. Pour cette mère au foyer et cet ouvrier au SMIC, impossible de payer une nuit d'hôtel. Et les enfants n'ont pas l'intention de dormir à nouveau dans le minibus. Le trajet se transforme en course contre la montre. Comme l'autre, le camping de West Vienne fermait à 20h, je me dis que peut-être celui de Vienne Sud ferme à 20h aussi. Et comme il est quand même 19h50, on a 10 minutes pour être là-bas. À 200 mètres, et courir vers la réception. Par chance, Nadine est un copilote hors pair. Résultat, la famille parvient à traverser la capitale autrichienne en moins de 10 minutes. Bah, je vois la porte, là. Philippe et Nadine arrivent in extremis. Et il semble y avoir de la place pour leurs trois tentes. Tiens, là. Voilà. OK. OK, thank you. La tribu pourra bien dormir ici ce soir. Le lendemain, la famille est fatiguée d'avaler des kilomètres. Pour enflammer l'imagination des enfants, les parents leur proposent la première sortie du voyage, la visite du château de Dracula. Un tel mythe devrait impressionner même les ados blasés. Mais il va falloir, une fois de plus, jongler pour respecter le budget. 25 par adulte, 10 par étudiant et 5 par enfant. 5 par enfant. Et il n'y a pas des gratuits en sous-sortant? Non, c'est pas marqué. C'est pas précisé. J'aimerais bien qu'on puisse payer le moins cher possible et que ça compte comme un enfant. Je suis pas un enfant. Un grand enfant? Bah oui, mais vaut mieux que tu sois un enfant parce qu'on économise 15. Attends, je... Allô. Nine personnes, two adults and seven children. Yes. Gratis. Alors, 1, 2, 3, 4 school children. L'entrée revient en tout à 26 euros. Finalement, cette sortie est un bon plan. La famille a même droit à une visite guidée. On l'a transformé un peu. Donc, ce que vous allez visiter, c'est la reine après. L'accompagnatrice va leur révéler tous les petits secrets du vampire. L'envers du décor de cette forteresse du XIIIe siècle, l'un des lieux les plus visités de Roumanie. De son escalier secret à la chambre du comte Dracula, en passant par sa salle d'armes. Nadine et Philippe profitent du décor, mais ils jouent surtout les vigiles.
car il faut en permanence garder un œil sur les 7 enfants. Attention les enfants. Ça demande beaucoup d'attention parce qu'il y a du monde. Il y a les 3 petits qui font des bêtises, les 3 moyens qui essayent de suivre et le grand qui me colle. Mais c'est bon, on arrive. On va essayer de perdre personne. Personne ne se perd, mais au bout d'une heure, tout le monde fatigue. Surtout la guide. On écoute la dame, on écoute la dame. C'est dur parce que ça, c'est un peu long. Et c'est... Non, et... là, je me fâche. Là, je me fâche. Allez. T'as pas le temps. Regarde, là. Donc, c'est difficile de se concentrer pour écouter les explications, surtout que nous avons la chance d'avoir un guide pour nous. Pas facile de trouver une activité qui intéresse à la fois les petits et les grands. Mais les ados, au moins, pour la première fois, semblent conquis. Anatole, notamment, se passionne pour les châteaux moyenâgeux. Il ne perd pas une explication. Après 2 heures de découverte, lui n'a pas du tout envie de partir. Moi, j'aime bien les châteaux, j'aime bien l'époque médiévale et tout ça. Pour un château, c'est grand et bah, c'est beau. Mission réussie pour Nadine et Philippe. On cherche toujours à essayer de stimuler parce que les adolescents ne voient que par Internet. Il n'y a qu'Internet qui est intéressant et en fait, ici, c'est vivant. Fin de visite, direction la boutique. Et même s'il y a 7 enfants, chacun repartira avec un cadeau. La mère de famille, elle aussi, veut son souvenir. Moi, je collectionne les tasses. Donc, je prends toujours une tasse là où on va. Bon, après, c'est marrant quand on reçoit, les amis de dire « Tiens, tu veux boire un café où ? Tiens, je veux te sortir la Roumanie ou tu veux boire un café en Écosse ?» Ah, il y a the price ? 15, ok. C'est prévu dans le budget, ça ? Non. Comme le change est plutôt favorable pour nous, ça fait 73, ouais, ça fait l'équivalent de peut-être 20 euros. Donc pour 2 t-shirts, 2 shops, c'est pas cher. On peut prendre ça pour tous les 3. J'ai dit pas de pistolet. Si tu trouves un pieu Dracula, si tu veux. Finalement, pour les garçons, ce sera bouclier Dracula pour tous. Ok, bah, je pense que... c'est plus rien. Cette journée au château de Dracula sera la plus chère du périple. Mais ces dépenses exceptionnelles ont fait des heureux. Les aventuriers ont des histoires de vampires plein la tête et ils ne quittent plus leur bouclier du voyage. Quelques jours plus tard, la famille a repris la route et finit de traverser la Roumanie. Elle s'approche avec enthousiasme de sa destination finale, la mer Noire. Pour l'occasion, la tribu bretonne a même inventé une chanson, le tube de ses vacances. La mer Noire. La mer. La mer Noire. La mer Noire. Je la vois et je l'aurai. La mer Noire. La mer Noire. C'est un rêve, je le saurai. Après 2 semaines de route et 3300 km parcourus, enfin, ça y est, les baroudeurs touchent au but. Tu vois la mer ? Oui, là, dehors. On arrive au but. Et la mer Noire à droite ? Tu la vois ? Non, je ne vois rien. Les aventuriers auront le temps de découvrir la mer Noire. Ils vont faire un séjour de plusieurs jours ici. Après leur périple, Philippe et Nadine peuvent compter sur l'enthousiasme débordant de leurs enfants. En fait, les petits veulent déjà rentrer chez eux. Vous êtes contents d'être arrivés ? Si. Non. Antoine, non. Vasile, non. Maintenant, on peut retourner à la maison. Alors, pour remotiver ses troupes malgré la nuit tombée, Nadine emmène tout le monde à la plage. Cela fait 2 semaines que les enfants rêvent d'enfiler leur maillot. Claque.
Là, Coco, il râlait tout le temps, mais ils sont super contents. Bah ouais, c'est pour ça qu'on s'est tapé tant de kilomètres. Et puis, même les plus râleurs se sont mis à la mer. Donc, c'est super. Un premier bain avant la grande découverte le lendemain. L'aboutissement de ce long voyage, Constanța. Cette ville dont ils n'aperçoivent que les lumières ce soir-là et dont Nadine a tant rêvé. Nous retrouvons la famille le lendemain matin. Allez les petits, on y va. Nadine et Philippe veulent emmener leurs 7 enfants admirer le port de Constanța, le plus important de Roumanie. Une nouvelle occasion de faire oublier aux ados leurs jeux vidéo. Mais après des milliers de kilomètres à râler, Anatole a toujours du mal à lâcher sa console. T'as envie d'y aller ? Pas trop. Il fait déjà assez chaud. Alors... On préférerait quoi ? Se reposer un peu quand même. L'aîné non plus ne trépigne pas d'impatience à l'idée de voir le port. C'est bof. Vu que c'est que des bateaux, sur l'eau, il y en a partout. Mais Nadine, elle, fantasme depuis un an sur Constanța. Elle trouve le nom de la ville poétique et s'est imaginé un joli port pittoresque. Ça y est. Chérie, t'as trouvé ton port. T'as vu ce que je fais pour toi? Je t'emmène au bout du monde. C'est bizarre que ce soit pas un port... accessible. Ouais. On dirait presque Beyrouth, sur les obus. Mais le port semble uniquement industriel. La famille ne trouve même pas l'entrée. Lorsque Philippe se range au bord de la route pour voir ce qu'il en est, les enfants refusent de descendre. C'est là où on avait dit qu'on irait. Donc ils font l'effort, on traverse juste la, la route. On y va. Et c'est plein de trains et de grues. Une petite légère... déception, parce que c'est plus agréable quand c'est un port de plaisance, quoi. Après les milliers de kilomètres parcourus et tous les sacrifices financiers pour arriver là, Nadine espérait en mettre plein les yeux à ses enfants. La déception est immense. Bah ouais, c'est parce que je les aime et que... C'est pas vrai, maman. Ouais, et puis que je voudrais qu'ils voient le monde, quoi. Faut pas qu'ils restent non plus dans leur petit monde de jeux vidéo et leur petite ville, alors qu'il y a un monde qui les attend. Et que nous, on partage. Hein. Nous, on partait jamais, donc... Prenant conscience de la tristesse de leur mère, les ados tentent de la rassurer à leur façon. On dit toujours que c'est chiant au début, mais à la fin, on est toujours content d'être parti. Ouais, mais bon, c'est difficile parce que vous dites jamais, dès qu'on arrive quelque part, je suis pressée de partir, tout ce que je veux, c'est rentrer. Et vous vous rendez pas compte que c'est dur aussi pour nous et qu'on fait ça, c'est pour vous, quoi. Essayer de nous faire plaisir et nous, on la remercie pas. Enfin, c'est comme si on gâchait un peu les vacances. C'est comme si on gâchait ses vacances. Anatole, le plus sensible des enfants, semble le plus déconcerté par les larmes de sa mère. Il culpabilise. Mais on va à la plage. À tel point que de retour au camping, l'ado a besoin de s'isoler pour réfléchir. Anatole, il est où ? Derrière. Moi, il veut pas venir ? Je ne pense pas, non. Aussi, ça, tu crois ? Derrière où ? La tente. Anatole ? Tu viens pas ? Hein ? Tu viens pas à la plage ? Tu viens pas te baigner ? Allez ! 5 minutes ! Tu veux pas ? Bon, Anatole va rester là, il n'est pas en forme. Pendant qu'Anatole est en pleine remise en question, le reste de la troupe fait tout son possible pour redonner le sourire à Nadine.
tant mieux si elle a le sourire. C'est mieux d'avoir une mère qui sourit que... qui est pas contente. Anatole reste à l'écart, mais Nadine espère que cette petite pause sera constructive. Je sais pas, peut-être que la réflexion, il est en train de penser à la réflexion de tout à l'heure, et peut-être que ça le travaille aussi. Il est moins sociable que les autres, donc peut-être qu'il a plus de mal à se sentir bien avec les autres. Et alors que la famille bretonne profite de ce bain de mer, à des milliers de kilomètres de là en Afrique, une autre famille, elle aussi, s'apprête à vivre un moment fort de ses vacances. À Ouida, dans le sud du Bénin, nous avions décidé de suivre en hiver une soirée de Noël hors du commun. Une famille est partie en voyage dit solidaire. Natacha, Philippe et leurs quatre enfants sont partis à 6000 km de chez eux pour participer à la vie d'un orphelinat. Viens, Maya, mais aide-moi. Bah, tous les petits doudous, tu les mets là. Première mission, préparer les cadeaux. Ce soir, la famille va jouer les Pères Noël. Avant de partir, les enfants ont fait une grande collecte à l'école et trié leurs propres affaires. Ça a beaucoup de plaisir, là. Et alors ça? Oui. On commence à parler ici, pas les filles. Marie, elle a 6 ans. Mariam, elle a 6 ans. Odilon, il a 6 ans. J'ai mis des pulls, il y a un pull et un t-shirt. Tiens, hop. Ça, et tiens, une chemise aussi. C'est une veste en jeans. La famille a emporté 300 kilos de vêtements et de jouets dans ses bagages, en espérant tomber juste pour chacun des enfants de l'orphelinat. Distribution des cadeaux et verdict dans quelques heures. Au Bénin, 50% de la population est chrétienne. Noël est une fête particulièrement célébrée. À l'orphelinat, c'est même la veillée la plus attendue de l'année. Il y a tout le monde qui a deux yeux. Pour participer pleinement à l'événement, Maya, 10 ans, prend les choses en main. Elle a emporté de quoi apprendre aux enfants à fabriquer une décoration de fête. C'est ça. Prenez la boule, vous mettez un œil, vous prenez la colle. Hop, on prend la colle. Vous pouvez faire ça. Moi ? Tout le monde. Tout le monde. Vous pouvez tous faire ça. Comme ça. Regardez. Ce sera un petit bonhomme, ce sera ça. Cette organisatrice née prend son rôle très à cœur. Lui, il est très bien. Lui, il est très bien. Voilà, c'est super. Adela, comme ça. Ah. La nuit tombe sur Ouida. La soirée la plus importante de l'année peut commencer. Petite place, une petite place, une petite place. Tom, t'as du succès, hein, mon gars. Tom et ses trois sœurs ne savent pas à quoi s'attendre. Et ils ne vont pas être déçus. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Ça va bien, merci. Et vous? Qui va me dire pourquoi nous sommes ici? Oui, vas-y. Nous sommes ici pour la fête de Noël. Pour la fête de Noël. Pour l'occasion, les enfants vont monter sur scène, chacun leur tour, pour proposer leur plus beau spectacle. Puis vient le moment tant attendu, le même de Bruxelles à Ouida. C'est maintenant à la famille d'assurer. Et Maya est toujours la première à s'impliquer. Confortée par le sourire des petits orphelins, la famille mesure tout l'intérêt de ces vacances plutôt inhabituelles. Redonner un peu de joie à ces enfants que la vie n'a pas épargnés.
c'est chouette de voir qu'ils aiment bien et qu'ils regardent. C'est important parce qu'on a quand même mis du temps pour trouver ce qu'on pouvait leur donner. Et puis quand ils les ouvrent et qu'on voit que ça leur fait plaisir, ben, on sait que ça sert à quelque chose. Quoi. Et ils sont contents de voir les autres découvrir, de voir s'ils sont, qu'ils apprécient les cadeaux qu'ils ont reçus et qu'eux ont donné eux-mêmes. Et elle a un pantalon pour dans 5 ans. Il lui arrive là. La petite assemblée a des étoiles plein les yeux. Cette rencontre avec ces orphelins d'un autre monde touche profondément la petite Maya. Elle va même se lier d'amitié avec certains. À des milliers de kilomètres de là, dans le sud de la France, une grosse journée se profile pour une autre famille, très nombreuse. Vous êtes prêts, les mecs ? À Montpellier, il est 7h30. Et Patrice, Karine et leurs 13 enfants sont déjà sur le pont. Attention, les filles. Cela fait 5 ans que la famille bordelaise n'était pas partie en vacances, faute de budget. Cet été, ils sont hébergés chez Sandra, la sœur de Karine, légèrement dépassée par les événements. C'est un sacré boulot, une sacrée organisation surtout, hein, parce que depuis ce matin, on court. On s'est levé à 6h30 et on n'a pas fini. Voilà, tu es toute belle, Clara. Tu peux y aller. La troupe est pomponnée, prête à partir découvrir les 4000 animaux de la réserve africaine de Sigean. Ce sera la première sortie familiale depuis des mois et la journée la plus chère des vacances. Tout le monde a hâte d'y être, sauf un. Arnaud, surnommé Pépino, a décidé qu'il ne viendrait pas. Allez, tout le monde, allez le chercher. Ouais, ses frères tentent une méthode radicale. Mais Arnaud s'entête. Pour une raison que lui seul connaît, il refuse de bouger. Un défilé de négociateurs commence, chacun avec sa propre technique. Allez, viens, Mimi. Viens, Mimi. Allez, on va se régaler. Tu vas voir, on va faire plein de choses aujourd'hui. On t'amènera tout à l'heure, dans ton matelas. Les parents ne laisseront pas un trublion gâcher le plaisir de 20 personnes. Mais levé du mauvais pied, Arnaud résiste, même à ses grandes sœurs. Allez, viens, habille-toi. Tu vas venir à une. Viens, Arnaud. Tu me restes là, toute la journée. Tout seul. C'est qu'on va rentrer le soir. Hein. Karine ne tient plus. Bon, c'est bon, allez. Allez, dépêche. Maintenant, on en a marre. C'est bon. Et tu es gentille, patiente. Tout le monde, on va arriver en retard. T'es pas gentille, vraiment. Si t'as rien, si t'as mal quelque part, t'as quelque chose. Bon, alors on y va. Je t'ai pris des chocolatines. Et dépêche-toi. Maintenant, ça suffit. Hein. Allez, comme d'habitude, c'est Karine qui est intervenue. Même si ce n'est pas dans son caractère, avec une telle tribu, elle a dû apprendre à faire preuve d'autorité. De toute manière, tout le temps, il y en a un qui râle. Sur les 13, c'est obligé, de toute manière. Il y a toujours un qui n'est pas parmi nous. Ah oui, les petits ne s'en rendent pas compte de tous les efforts qu'on fait. Mais les grands, oui, quoi, ils nous aident, mais eux, non. Pour eux, c'est normal. Quoi. Or, cette sortie à Sigean est un vrai sacrifice pour les parents. Ils n'ont réussi à rassembler que 1200 euros pour cette semaine de vacances à 15. Et rien que le prix d'entrée au parc représente le quart de ce budget. Deux adultes et 13 enfants, s'il vous plaît. 13 enfants. 13 enfants. Et deux adultes. Ça vous fera 329 euros, s'il vous plaît. Merci. 320 euros. Ça fait cher quand même. Ah, bah, oui, c'est une par an, comme ça. Ouais, une par an. Ça fait longtemps qu'on voulait venir le faire. Je sais pas que je viens chez Sandra, on dit on va se le faire, mais c'est vrai que ça fait un peu cher, quoi. Surtout quand on a beaucoup d'enfants, quoi. Mais là, on est content.
Mais on va pas. Content, pas pour longtemps. La visite démarre par un circuit en voiture au milieu des animaux sauvages. Dès les premiers mètres, les catastrophes commencent. Théo ouvre la porte. Fermez les fenêtres. Ferme, ferme, de suite. Oui, ça court super vite. Vite, vite, vite. Ferme, toi aussi, Pat, ferme aussi. Interdit de descendre de voiture et interdit d'ouvrir. Mais à 30 mètres des rhinocéros, les animaux les plus lourds du parc après les éléphants, c'est Arnaud, installé dans le coffre de la voiture, qui décide d'aérer. Ferme ! Ça va pas ou quoi ? Culotte en colline, quoi. Je vais te mettre une baffe. Mais ferme ! La prochaine fois que tu ouvres, mon gars, c'est bon, je te fais faire 600 km en avion, là. À l'envers, je sais. Ils n'ont pas été vraiment disciplinés, mais bon, quand tu conduis, quand on conduit un véhicule, on peut pas être partout. Quoi. C'est loin d'être terminé. Arnaud et Théo ont visiblement décidé de se défier. Les deux terreurs ont un nouveau terrain de jeu pour leur concours de bêtises. Il y a 18 hectares à visiter à pied. D'un coup, sans explication. Cette fois, Patrice s'active. Et c'est lui qui repère en premier le petit fugitif. Théo, remonte. On a Théo qui fugue. Théo, tu arrêtes. Tout le monde t'attend. Allez, dépêche. Non. Je te laisse. Qu'est-ce que t'en penses ? Patrice n'est pas pour les interventions musclées. Sa méthode, c'est d'attendre que ça se passe. Oh. Allez, Théo, arrête. Allez, on y va. Tu viens ? Stratégie, mais où tu piques le sprint et tu l'amènes par la peau des fesses. Après, il y a la stratégie de l'épuisement. Le petit jeu va ainsi durer pendant 5 minutes. Dépêche-toi, Théo, vas-y. Ça va mal finir, là. Jusqu'à ce que Karine déboule. Et avec elle, en 10 secondes, c'est réglé. Là-bas, de suite. De suite et cours maintenant. Cours. Dépêche-toi, hein. C'est bon, hein? C'est excellent. J'ai bien marre, moi. Merci. Dépêche! Une fois de plus, c'est Karine qui est intervenue. Plus il grandit, plus c'est difficile. Avant, je les casais dans les poussettes. Des poussettes triples, doubles, même quatre, il y avait quatre places. Au moins, tout le monde suivait. Seuls les animaux arrivent à impressionner les deux terreurs un instant. Ah ouais, ils sont là-bas! Énorme, énorme. Je ne sais pas combien ça fait, ça aussi, mais bon. Mais au moment de rentrer, c'est au tour d'Arnaud de s'échapper. Vous avez perdu qui? Arnaud. L'aventurier a décidé de prendre de la hauteur. Alors, je suis aveugle parce que je ne vois pas son t-shirt, son polo rose. Ah, si, ça y est. Arnaud. Ah, ben alors, un coup, quand on t'entend, là. On nous croyait perdus. Il nous a manqué, là. Arnaud et Théo ont épuisé Karine. Mais comme d'habitude, elle retrouve vite le sourire. Et la tribu repart au complet. Après une telle épopée, la colonie est affamée. Karine et Sandra se dévouent pour aller faire les courses pour le dîner le lendemain. Les deux sœurs ont 100 euros de budget pour nourrir les 22 membres de la tribu. Soit seulement 1,50 euros par personne et par repas. Il est plus lourd que toi. Mieux vaut être doué en mathématiques pour gérer ces quantités astronomiques. Au moins, en 12 litres, on en manquait, il nous faut au moins 15 litres. On a vu 10 litres. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonne journée. Ah, voilà le beurre. Alors, le beurre. Voilà.
Qu'est-ce que tu prends comme beurre d'habitude? On va prendre un gros. Moi, j'achète généralement par 2 kilos, mais bon, ça va, c'est juste pour demain, pour faire les pâtes. Celui-là pour demain? Karine a intérêt à avoir de l'imagination. Avec 13 enfants, elle doit réussir à faire des économies sur tout. Regarde, ils ont fait une boisson au cola. Ça va peut-être les tromper, ah peut-être. Ouais, super, c'est ouais. Pas gazeux. Ben on peut essayer. On prend la limonade et une bière. Là, tu me disais qu'on peut faire 7 litres de... 7 à 8 litres de boisson. Ouais. Et quand on a une grande famille, c'est pas négligeable, quoi. Hein? On verra demain. Allez, on essaie le cola. C'est plus économique. Alors. 97 euros et 19 centimes. Alors. 97 euros pour 3 repas à 22. Les filles ont réussi l'exploit de ne pas dépasser la limite autorisée. Ici, il y a le ticket. On n'a pas vu exploser le budget. Non, je pensais que ça ferait beaucoup plus. J'ai pas l'habitude, moi, des gros caddies comme ça. Karine est dans sa moyenne habituelle. Elle dépense 600 euros de courses par semaine. Mais pour ses vacances, elle peut compter sur sa sœur. Sandra tient à partager la moitié des dépenses. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Après les courses et la sortie au zoo, les comptes sont vides. Mais la colonie est ravie de ses aventures. Au dîner, même les deux terreurs, Arnaud et Théo, sont sages comme des images. Mais ça ne va pas durer longtemps. Faire plaisir aux enfants. C'était aussi l'objectif de Nadine et Philippe, notre couple de Bretons, sur le chemin du retour après un périple en minibus jusqu'à la mer Noire. Ce matin-là, c'est le départ vers l'ultime étape, les lacs autrichiens. Après la crise de larmes de Nadine, les 7 enfants se sont largement assagis. Mais après 3 semaines et demie en famille, aujourd'hui, ce sont les parents qui craquent. Que ça va faire ranger. Toujours ranger. Finalement. On part pour un mois avec un capital matériel et on revient avec 2 fois plus. Ça me fatigue. Toujours des emplacements. Toujours des emplacements. Nouveau. Tes chaussures, Anatole, tu pourrais les ranger un peu. Putain, toujours à nous de le faire. À sec. Et c'est fini. Le dernier bain de la famille devait être inoubliable. Dans ces lacs chauds de Carincy, la température de l'eau monte naturellement jusqu'à 26 degrés. Mais pendant le trajet, l'énervement de Philippe a visiblement été contagieux. Bon, elle est où la plage là? Parce que là, ça commence à me gaver. Cabinane. Cassa quoi? Liège. Ça veut dire 4 euros, non? Oui. Je sais pas, c'est marqué Cassa ici. Mauvaise surprise, ici toutes les plages semblent payantes. Et en ces derniers jours de vacances, la famille n'a plus un sou. Mais au pire, tu demandes? Ah non, je paye pas pour aller à la plage. Hein. Ah non, je paye pas pour aller à la plage. La merde. Bah là, on paye quand la même. Plage est... Trésor. Mais en plus, il y a personne, quoi. Nadine est tellement étonnée de devoir payer qu'elle préfère aller vérifier. Must we pay something to go here? It's 15 euros per person per day. So, OK. Thank you. Non, non, il faut payer 15 euros la journée. Non. Non, non, on sort. Bien, c'est bien. Depuis le début, je trouvais que c'est ma bestie. Ah, c'est bon. La personne avait 76 euros si on veut y aller. Ouais, ben moi, j'ai pas 76 euros. Surtout pour aller dans l'eau. Oui, je sais. T'es fatiguée, t'as envie de baigner. Ben ouais, on vient de se taper une heure pour rien, ça me gave. La famille se replie donc vers le camping. Donc, si t'as pas d'argent, tu te baignes pas. De retour au camping, la famille se rabat sur le bassin. Moins grand, moins chaud et plus fréquenté. Mais petit à petit, les parents arrivent quand même à se détendre. Cool. Enfin cool. Mais le répit est de courte durée. Car le soir même, avant de reprendre la route pour la Bretagne, il est l'heure de faire les comptes. À tout casser, coûte 50 euros. Course, à tout casser. Pour leurs 4 semaines de road trip en Europe, le couple avait prévu 2000 euros tout compris, 2 mois du salaire de Philippe. À
Alors là, Nadine n'est pas certaine d'avoir réussi à tenir le budget. On peut pas visiter quelque chose sans prendre un souvenir. Puis c'est difficile aussi de résister parfois, ouais, c'est vrai. Hein. 1920, alors, on est bon, là, encore. 1960, 2560, 2500, 2600, on va dire. Ça va. Wow, on a dépassé le budget plus le surplus du budget, mais on est resté quand même dans le raisonnable. Ah. Ouais, c'est la première fois qu'on fait les comptes en rigolant. Ouais, parce que vachement ça fait comme la nôtre. C'est le jour du grand retour vers la France. On va pouvoir plier. Il ne restera plus qu'une nuit d'étape dans la famille de Nadine avant de retrouver la Bretagne. Pour Philippe, enfin, c'est le dernier chargement. Et l'heure du bilan. On a bien profité, on a eu de beaux paysages, on a fait pas mal de belles choses. On a fait beaucoup de voitures. Hein, on a fait beaucoup de voitures. Ouais. Et voilà quoi, c'était... Mais bon, c'est la fin des vacances et c'est comme ça. Là, on peut dire que... Terminé. Sur son minibus, la famille de Globetrotters a l'habitude de coller le drapeau de chaque pays visité. On met le stickers ? Oui. Ce matin, il y a toute une nouvelle série d'étendards à afficher. J'ai même pas ma marouflette. Bon, ben maintenant, on peut y aller ? Facœur-ci, oui. Allez, retour, retour presque maison. D'accord, c'est là-bas. Retour France. Moi, je vais là-bas. Moi, c'est par là. Moi, je vais là-bas. Allez, on s'attache ! Nadine a finalement apprécié chaque rebondissement de cette aventure. Mais elle en connaît qui attendait le retour depuis longtemps. Ah, vous êtes contents de partir ? Ouais ! Dans un peu plus de 1000 km, la tribu retrouvera la Bretagne et le grand bain du quotidien. La mer Noire restera sans nul doute leur plus grand souvenir de vacances. À Ouida, dans le sud du Bénin, les deux semaines de vacances solidaires de Natacha, Philippe et leurs quatre enfants touchent à leur fin. Pour se rendre utile, Philippe enseigne l'informatique à des adultes. Bonjour tout le monde. C'est aujourd'hui son dernier cours. Il leur enseigne les tableaux de calcul. Le consultant immobilier s'est adapté à la vie locale. Alors, on va prendre comme exemple, on va construire un modèle. 4 vaches, 2 veaux, il a 4 poules, une vache, ça vaut 300 000 CFA. Maîtriser l'informatique, okay. Un atout indispensable pour trouver du travail, et les élèves sont plutôt satisfaits de leur professeur. Tu fais comme bon, ça. Bon, je peux le faire. Tu as déjà travaillé avec ça. D'autre manière, c'est comme ça. Plus il est ici, non. Plus. Si tu ne sais pas travailler, tu ne peux rien faire. Si tu n'étais pas tapé, si tu ne sais pas taper sur l'ordinateur, tu ne peux rien faire. Surtout dans le monde que nous sommes, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Apparemment, merci. Vraiment. Au revoir, merci. S'il y en a un qui grâce à ce cours, trouve un travail et qui aura un travail stable, etc., je serais déjà très content. Ce serait déjà top. S'il y en a deux, c'est encore mieux. Natacha, Philippe et les quatre enfants doivent quitter l'Afrique le lendemain. C'est l'heure des adieux qui approche. 8h du matin, nous retrouvons la famille à quelques minutes du départ. Les petits orphelins se sont tous rassemblés, vêtus de leurs plus beaux vêtements, pour leur dire au revoir. Les enfants, est-ce que vous êtes contents de la visite des amis ? Oui, tata ! Ah, oh, c'est bien. Je vais demander aussi aux amis s'ils sont contents des enfants. Oui, tata ! On va se dire au revoir. Si d'ici quelques années, ils reviennent au Bénin, ils savent qu'ils ont une famille ici. Avant de partir, Maya et Zoé entraînent leur troupe pour un dernier moment de complicité. Après 2 semaines passées à vivre ensemble, les adieux sont d'autant plus durs que les petits orphelins s'attachent vite aux étrangers qui viennent les voir.
derrière, hein, Montomy. C'était mes amis, quoi. Alors, c'est difficile de leur dire au revoir, ça donc je verrai peut-être plus jamais. Même Maya, habituellement si sûre d'elle, craque dans les bras de son père. Ça donne une expérience, je pense. Tu vois qu'ils vont se rappeler de ces vacances-ci, je suis sûr. Et oui, j'espère que ça donne aussi une ouverture d'esprit. Que, tu vois, ils ont vu, ils ont vécu. C'est en chanson que la famille quitte l'orphelinat pour la dernière fois. Le soir même, la famille laissera l'Afrique derrière elle, des souvenirs plein la tête. Pour leurs prochaines vacances, Natacha, Philippe et les enfants envisagent d'explorer d'autres horizons, mais toujours au service des autres. Des vacances qui s'achèvent aussi pour la joyeuse équipe de Karine, Patrice et leurs 13 enfants. Pour cette dernière sortie, Sandra, la sœur de Karine, leur fait découvrir Palavas-les-Flots. Karine a promis une surprise. Alors pour l'instant, Arnaud le rebelle reste à peu près sage. Les grands, qui n'habitent plus chez leurs parents, profitent de leur dernière journée avec les petits. Cette semaine passée avec la famille au complet les a plus soudés que jamais. Ça t'est vague. Jamais rêvé d'être fini. Non, mais... Je sais pas, c'est... On peut pas s'imaginer, en fait, être seule. Tellement on a été entourés toute notre vie, depuis notre naissance, c'est... Je sais pas, c'est comme ça. Julie, elle, a carrément ses frères et sœurs dans la peau. C'est les 12 lettres de mes frères et sœurs. Il y a le W, donc ça commence par William, Marie, Julie, Guillaume. Enfin voilà, ça descend jusqu'en bas. C'est une preuve d'amour. Là, mes frères et sœurs, ils seront toujours là avec moi. Et voilà, je les voulais toujours quand même sur moi aussi. Allez, viens, ma loulou. On y va. Ça y est, c'est l'heure. Pour que les vacances se terminent en beauté, Karine a l'intention d'offrir un dernier plaisir aux enfants. Mais comme il va falloir multiplier par 13, il y a un petit problème. Ça va être hors budget, ça. Sur les 1200 euros que les Bordelais avaient économisés pour cette semaine à 15, il ne reste plus rien. Tant pis, la tribu a été sage. Karine tiendra sa promesse. Maintenant, on va s'offrir une bonne glace italienne. Ça, depuis le début de la semaine, il attend de cette glace, cette fameuse glace. Vanille, mais fraise vanille. Fraise vanille, ok. Vanille moyenne. Voilà. Alors, t'aimes ça, chouchou? Elle est bonne? Voilà. Pour qui? Et moi, la dernière, une vanille. Pareil. Une... C'est la seule glace de la semaine, car à 15, l'addition devient vite vertigineuse. Donc 56 euros, s'il vous plaît. Et une bouteille d'eau. Attends, tiens ça. On a une bouteille. Tiens, regarde. Bon, on va boire. Merci. Non, j'en veux pas. Merci. Merci. Aujourd'hui, hein? Non, aujourd'hui, on s'est fait vraiment un plaisir. On a éclaté notre budget. Moi, je prends une bouteille d'eau. On va revenir, il n'y aura plus rien. Mais ça fait rien, c'est pas pour rien. Ça fait plaisir, quoi. Là, ouais. Là je pense que quand même, ils ont été gâtés pour une grande famille, quand même. Leur faire plaisir comme ça. Ouais, ils ont été gâtés comme des enfants d'une famille normale. Normale, j'appelle, parce que nous, on nous appelle qu'on n'est pas normal. Là, on est famille normale. Hors norme, vous. Hors norme. C'est vrai, c'est beaucoup, les gens disent hors norme. Une famille hors norme qui vient de réussir à passer une semaine de vacances presque comme les autres. Le lendemain matin, c'est le grand départ. Après l'invasion,
le jardin de Sandra, transformé en camping, est en train de retrouver son calme. Ça va faire du vide là d'un coup. Hein. Mais c'était bien quand même. Je crois que je vais laisser une tente quand même. On ne sait jamais. Sandra et Karine espèrent que cette fois-ci, elles ne resteront pas 2 ans sans se voir. Karine n'aurait jamais pu organiser ses vacances sans sa sœur. Alors elle tenait à ce que la tribu entière lui fasse un cadeau. Allez-y, Clara. Oh, merci, ma chérie. Merci. Trop gentil. Oh, petit Arnaud. On n'aura entendu que toi. Toi, tu n'as pas de bise. Si, tu auras la bise quand même. Vas-y, quand tu veux. Tu reviens, ma chérie. Ah, vous connaissez la route maintenant. Merci, ma chérie. Oh, fallait pas. Ah, si. Ah, 15 roses. 15 personnes. 15 bazar dans la maison. La bise. Il est temps pour la famille formidable de rentrer à Pessac. Mais jusqu'à la dernière minute... Attends, mais il manque quelqu'un. On ne perd pas les bonnes habitudes. Arnaud. Où est Arnaud? Il manque Arnaud. Ah, on en avait oublié, hein. On avait oublié Arnaud. Non, là-bas aujourd'hui. Allez, hop, hop, hop. Allez, Arnaud. C'est fini les vacances. Allez, go. Une semaine de vacances. En 5 ans, les enfants n'avaient jamais pu profiter d'un tel séjour, loin de chez eux. Des vacances toujours pleines de rebondissements pour les 1,5 million de familles nombreuses que compte la France.